Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spirit Farer avec Stella et Gwen, du coup notre premier esprit qu'on a découvert. On avait fait un champ et une cuisine et Gwen nous proposait tout simplement d'aller trouver un autre esprit. On va aller voir ça tout de suite en jeu. Donc pour l'instant, on est encore sur la fin de la nuit, je pense que ça devrait pas tarder à être le matin. Je me suis permis de récolter et de planter de nouvelles choses, tout simplement pour avoir un café à lui offrir à notre amie Gwen, histoire qu'elle soit contente. On va aller jeter un œil, mais je pense pas qu'on ait ce qu'il faut pour construire quoi que ce soit. Ici, le jardin, il nous manque des choses, et la cuisine, on en a déjà fait une, donc on n'a pas besoin d'en faire une autre. Donc on a effectivement rien d'autre à faire. Voilà, c'est le matin. On sonne la cloche. On choisit une destination. Donc la destination est par là. Gwen nous dit « Bonjour Stella !» Elle a un peu faim, peut parler. « Une collation sera appréciée en ce moment. » Donc elle nous confirme qu'elle veut bien une collation. Et voilà, du café noir pour pouvoir lui donner. « Ah alors ça, c'est une sacrée bonne tasse de café. J'ai bu je ne sais plus combien de tasses de café dans ma vie. Mais celle-là, c'est certainement ma préférée. Merci beaucoup, vraiment, Stella. » Et donc, elle est très contente. Plutôt cool. On traverse une tempête. Mais je pense que comme on n'a pas l'esprit qui correspond, on n'aura pas les ventes. On aura juste une tempête. Non, ça va y avoir. Pas trop besoin d'arroser. La tempête est finie, elle ressort et on va sans doute discuter un peu. Même pas. Ah, voilà, on arrive en ville. Berkensheim Creek. Écoute. On y va. Et on va découvrir ce qui nous attend. Alors. Ça ressemble étrangement pour l'instant à ce qu'on a déjà vu comme île. On récolte un peu de bois. On va pas se priver d'attraper des ressources. Encore un. Hey. Oh, très bien, tu es là. Écoute, je viens d'échapper un citron dans l'étang. Mes doigts étaient tout collants, ça a juste glissé. Comment? C'est une bonne question. J'ai mangé des bêtes toute la journée. Regarde mes mains, je te le jure. Je faisais des expériences. Je voulais ajouter un peu d'agrumes à ces fruits sauvages. Mais là, ce sont que des baies sans saveur. Sauf si... il est juste ici, dans l'eau. Je le ferai moi-même, mais je dois m'occuper de ces petits fruits. Hop, petite quête. Hop, plonger. Et attraper ce citron. C'est celui-là. Il n'y a rien d'autre à faire par là.
J'ai seulement besoin d'un mouchoir ou de quelque chose comme ça. Je ne veux pas avoir de jus de baie partout. Peu importe. Tiens ce citron pour moi. Mais ne le presse pas. Attends une minute. Tu peux peut-être m'aider. Il n'y a plus de nourriture sur cette île. Mon estomac est toujours vide. Je pourrais peut-être vous aider à bord du bateau. Pour cuisiner, pêcher, faire la construction. Je n'ai pas mes épices et mes outils, mais je vais m'organiser. N'y pense pas trop. Montons à bord de ton bateau. Eh bien, parfait. On a du coup un deuxième esprit qui va nous rejoindre. Et on aperçoit sa forme, sous forme de nuage. Et qui dit deuxième esprit, dit deuxième obol. Ça va être plutôt cool. Oh, waouh! Ce bateau est fantastique! Mais attends, canaille. Ce qui s'en vient, c'est du lourd. Prépare-toi pour la réunion de famille. C'est moi, Stella! Ton oncle Atule! Surprise! Agréablement, j'espère. Je suis sur cette île depuis un moment. J'ai hâte de voir les lieux et la mer en ta compagnie. J'étais seule avec mes pensées. Maintenant, y a toi, petite. Levons les voiles vers une grande aventure. En avant toutes! Attends une seconde. Est-ce que... c'est... un... Alors, qu'est-ce qu'il a vu? Je le savais! C'est une super flotte 2000! Je l'ai jamais vue de mes yeux. J'en ai entendu que des rumeurs. Il paraît que tu peux trouver les poissons les plus gros et les plus brillants. Waouh, Stella! Tu sais comment te faire plaisir. Mais, attends une seconde! Il te manque quelques boulons. Laisse-moi deviner. Tu ne pêches que des ordures? Eh bien, plus maintenant! Tu verras immédiatement la différence. Essaye-la devant moi. Et voilà, on va arrêter d'attraper uniquement des harengs. On va pouvoir attraper des choses plus intéressantes. Et du coup, on a pêché un calamar. Et vous voyez, du coup, ça devient un peu plus compliqué. Il y a la canne à pêche qui devient rouge quand on tire trop vite. Et du coup, il faut relâcher la pression, mais sans perdre le poisson. Une morue. Parfait. D'ailleurs, je vais peut-être arrêter de la tester en pleine journée. Je pense que j'ai suffisamment testé. Et j'ai attrapé un vieux soulier. Beau travail, petite! Ils n'ont eu aucune chance! Tu perds pas de temps! C'est ce qui fait toi une pro! Mais cette pêche de champion m'a bien énervée! Ce qui me rappelle, j'avais cette chose brillante au fond de mes poches sur l'île. Je n'ai aucune idée de quoi elle sert. Tu peux peut-être la prendre, la garder en sécurité, je suppose. Oh misère, je dois aller prendre l'air. Oh voyons, passons. Tu es sûrement curieuse, tu en as sûrement déjà fait l'expérience, mais oui. L'eau est très salée. Bon, je m'en vais balader dans les environs. Tu peux pêcher autant que le cœur t'en dit si tu veux. Donc on a eu un deuxième obol. Et du coup... on va pouvoir faire des choses. C'était ici qu'il y a le sanctuaire, donc juste de l'autre côté. Et vous voyez... on a des indications sur ce qu'on a trouvé ou ce qu'on n'a pas trouvé. Il y a plein de choses encore à trouver sur une Lindberg. Ici, j'ai pas vu les framboises, typiquement. J'ai bien envie d'y retourner, du coup. Je vois que j'ai un nouveau truc par là, à mon avis, je vais devoir y aller à la quête. Je vais choisir là quand même, j'ai envie de prendre le sanctuaire.
pas forcément de faire la quête dans l'ordre où il faut. Jetterais-tu un coup d'œil à ça? Tu as deux oboles. Te rappelles-tu du sanctuaire à Humimberg? J'essaierai de les placer là-bas. Si nous sommes chanceuses, cela pourrait avoir un effet formidable. Si nous ne le sommes pas, tu auras perdu ton temps. Tu devrais aller voir. Je pense que c'est exactement ce qu'on va faire. J'arrose, parce que ça a soif. Et on va du coup repasser dans la tempête. Et du coup, c'est ce que j'appelle une tempête! Personne ne laisserait son ami se faire frapper par la foudre. Mais je crois que tu devrais essayer. Tu as la lanternelle, ça te protégera. Il y aura des étincelles où l'éclair frappera. Cours vers elle. J'allais oublier. As-tu des bouteilles vides? Si tu le fais frapper par la foudre avec une bouteille vide, tu peux capturer l'éclair dans la bouteille. C'est pas fou ça! Ce monde! Un éclair en bouteille est une ressource bien utile. Arrive donc bien équipé. Pour commencer, voici quelques bouteilles pour toi. Mais ne t'inquiète pas, c'est facile d'en trouver. Prépare-toi à l'aventure la plus électrisante de ta vie! Donc on a récupéré quelques bouteilles, on en avait déjà quelques-unes. Vous voyez, en fait, chaque collecte de ressources est une petite mini-activité. Saute. Je sais pas si on a commencé à plus voir de bouteilles là. Escalier. Voilà, on n'attrape plus d'éclairs en bouteille, on n'a plus de bouteille. Mais on attrape de les lueurs, donc la monnaie locale, c'est déjà pas mal. Oh, ça va être une grosse. Attends, je suis tombé à l'eau. Le petit combo de fin, allez. Là, je l'ai pas eu non plus. Tant pis, c'est pas grave. Merci, mon dieu! Je me demandais si tu résisterais plus d'une seconde là-bas. Tu as donné de ses fous à ton vieil oncle Atule. As-tu entendu ce grondement? Quelle aventure! C'était trop chouette lorsque tu capturais ces éclairs partout sur le bateau. Merci, String Capitaine, rêvez! Eh ben c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Alors, niveau nourriture, du coup, j'ai des... Alors, déjà, j'ai une moyenne bouteille de lueur dans mon inventaire, on va l'ouvrir. Ce qui est con, parce que du coup, ça m'aurait donné une bouteille supplémentaire. Donc, des petites choses, des petites graines. J'ai un céphalopode et une morue. Mais on risque d'obtenir que des poissons grillés et ce genre de choses. Donc, on a 12 éclairs en bouteille, du coup. Et du coup, bah, t'es vite parce que j'ai oublié de l'ouvrir avant de partir. On va arriver ici. Je vais jeter juste un petit coup d'œil au niveau des quêtes. Planche d'érable, on n'a pas ce qu'il faut. Parce qu'on n'a pas de planche, on a des bûches. Du fil de lin, on n'a toujours pas ce qu'il faut. Parce qu'on n'a pas encore de lin, pas encore de bûches. Et pas encore tout à fait assez riche. Par contre, je pourrais avoir ça, améliorer ma table à dessin. On va essayer de trouver. C'est con parce que trouver un passager à Humimberg. Ah non, trouve un passager à Humimberg. On a peut-être trouvé une troisième personne, cela veut dire. Donc on va au sanctuaire. On a du coup une nouvelle habilité qu'on pourra débloquer. Donc on va pouvoir faire un double saut. Donc lorsque dans les airs, appuyez sur A à nouveau pour faire un double saut. J'accepte.
Et on va du coup pouvoir tester ça. J'imagine que la manière la plus simple de tester ça, c'est d'ouvrir un coffre. Quelques pièces, donc je pourrais acheter des choses à Théodore si c'est fermé. Par contre, du coup, c'est fermé, mais hop, tu as réussi. Bien joué, tu as réussi à monter ici. J'ai menti plutôt. C'est pas si chouette ici haut. Mais comme tu es là, ça devrait s'améliorer. Je n'ai pas de carte de membre pour toi, mais tu seras une membre honoraire de la gang du haut. Je te montrerai bien la poignée de main secrète, mais je sais pas à quoi tes mains ont touché. Parfait. Donc c'est fermé, on peut pas du tout accéder à cette maison. On peut s'asseoir si on veut. Donc j'entends quelque chose qui fait bêh. Donc pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut pour attraper les choses qui font bêh. Oui, jeune personne, dois-je comprendre que tu es occupé? Bien sûr, tu es occupé. Attends une seconde. Tu n'as pas une cuisine entièrement équipée? Reviens lorsque ce sera le cas. J'ai toute une offre pour toi. Donc on va avoir des choses par là. Il est dedans. Allez. Bien évidemment, le coffre est dehors. Oups. Peut-être que je puisse descendre. Je peux descendre. Ça m'avance pas grand chose. Donc, un peu de graines. C'est parfait. Longue vie au gang d'en haut! Ma sœur me demande toujours de l'argent. Comment refuser sans dire non? Je devrais peut-être demander à quelqu'un de me voler. Je veux pas prêter de l'argent à ma sœur. Vous avez des petites conversations comme ça, assez sympathiques. Quoi? Oh! Tu m'as donné une de ces frousses. Ce chat. Il me dit quelque chose. La fout-il? Est-ce que c'est toi? Oh oui, oui, c'est toi. Toujours aussi soyeuse, hein? Alors ça veut dire que... Stella, c'est toi? Quelle fantastique tournure des événements. Est-ce que c'est ton bateau là-bas en mer? Je vois, tu es venu me sauver. Encore. Mais attends, pas si vite. Cette fois-ci, c'est moi qui enseigne. Tu peux compter sur moi. Allons-y. Nous avons quelques leçons à réviser. Donc on dirait qu'on vient effectivement de trouver quelqu'un. Et je vois quelque chose à récupérer là. Je saute. Et je récupère. Un peu de citrine. Je pense que c'est pas mal. Donc on essaiera de se souvenir que quand on aura une cuisine entièrement équipée, on pourra revenir ici. Il y a quelque chose pour nous. Et on va tout de suite aller découvrir qui est cette personne qu'on a recueillie. Par ici mon petit! Oh Stella, toute cette terre, ce grand espace! Oui, je sens que je pourrais croître ici. Regarde-moi, je fleuris déjà. Oh, sortir de sa chrysalide. Quel sentiment. Merci, Stella. Donc, on a fini la quête. Plus on est fou, plus on rit. Et c'est l'heure de se coucher. Et du coup... Alors, maintenant à propos du jardin. Oh Stella, tu trouves pas que ton bateau est un peu triste? Disons qu'il manque un peu de verdure. Imagine un petit jardin qui pourrait aussi servir de classe. Ça fait un moment que je pense à l'enseignement. Le cours s'intitulera « Prendre soin des plantes » de A à Lisée. Ouais bon, ça sonne pas si bien quand on dit tout. Je dois peut-être encore travailler un peu l'intitulé. Donc j'imagine qu'elle va nous demander un jardin.
Et normalement, on a ce qu'il faut, puisqu'on a été chercher des éclairs en bouteille. Alors du coup, j'ai pas la place. Et j'aurais pas la place de les mettre en côte-côte. Mon bateau est pas assez grand. C'est un peu moche, mais... On va faire ça comme ça. Et on n'a rien d'autre. Par contre... Voilà, donc on va pouvoir parler du coup à Summer, qui nous a demandé un jardin. Ici, on n'a toujours pas ce qu'il faut pour les planches d'érable et le fil de lin. On n'a pas tout à fait ce qu'il faut pour les lueurs, mais on pourrait quand même agrandir notre bateau. J'aimerais bien éviter d'aller 300 millions de fois au constructeur naval. On verra ce qu'il y a besoin. Oui, parfait! Quel magnifique petit jardin! Tu t'es surpassé, Stéphane. Très bien, alors nous sommes prêtes pour débuter la première leçon. Assure-toi d'avoir ce qu'il y ait des graines sur ce lopin de terre. Elles sont importantes. Eh ben, plantons. J'ai des graines de carottes et des graines de navet. Hop, une carotte. Hop, un navet. Hop, un navet. On arrose. On arrose. Et on arrose. Maintenant, voyons voir. Pour notre première leçon, nous débuterons avec quelque chose que je suis assez excité de partager. Ce monde obéit à d'étranges règles, comme tu l'as probablement déjà remarqué. J'ai toujours prêché l'amour envers tous les êtres vivants. Le jardin est le réceptacle de notre amour, un miroir que nous souhaitons en soi-même, tu vois? Cela semble encore plus vrai aujourd'hui. Lorsque j'étais seule sur mon île, je chantais pour les fleurs. Et comme je le croyais, elles ont poussé avec encore plus de vigueur. Au bout de quelques essais, j'ai réussi à écrire une petite chanson. Les plantes semblaient réagir particulièrement bien. J'aimerais mettre à l'épreuve avec toi cette observation. Va dans le jardin et essaye de jouer un morceau à tes plans. On va jouer de la musique. Ah oui, maintenir Y. Ah putain, c'est un guitar hero, j'avais oublié. Je déteste ça. Putain. J'essaye, hein, mais... Ça va, c'est un Guitar Hero à 3 touches. Bon, c'est sans fin, je pense. Donc... On va s'arrêter là. Assez incroyable! Effectivement, c'est assez incroyable. Ça a bien poussé. As-tu vu comme les plantes se balancent et poussent lorsqu'on les divertit? N'est-ce pas fabuleux? Comme je le suspectais, les émotions de ce monde se manifestent plus vivement. Eh bien, je vais m'assurer de faire connaître au monde cette fascinante découverte. Et qui sait? Les autres passagers aussi savent peut-être jouer de la musique. Ils pourraient nous aider si leur moral est bon. D'ailleurs, dans l'agitation des derniers jours, j'ai oublié quelque chose. Voilà, c'est pour toi. Cette pièce étrange m'agaçait dès mon arrivée ici. Je suis soulagée que ce soit pas encore une de ces allergies au pollen.
Et du coup, on va même pouvoir, à mon avis, cueillir cette chose. Est-ce que mes carottes ont poussé? Moi, je pense que... Voilà. Du coup, on va reposer des carottes et réarroser. Pas besoin de réarroser. Je suis étonné. Les navets ont poussé aussi, du coup. Parfait. Bah, du coup, je vais remettre des carottes. De toute façon, pour l'instant, je pense qu'on va avoir que des fruits, des légumes rôtis avec ce genre de choses. Pouvoir récolter là également. Par contre, définir une destination, ce serait l'idéal. On a ici, qui est nouveau, la baie de Greenalton. Mais moi, j'ai bien envie d'aller là. Je peux pas encore. Je peux peut-être quand même. Je sais pas si je l'ai, si ça arrive dès le début ou quoi, ça. Alors, on arrose. On arrose. Et on récolte un peu de café. Je vais mettre un peu de maïs, je pense. Je pense qu'on va avoir besoin doucement. On n'a pas de quête en cours, mais je pense qu'on va doucement avoir besoin d'agrandir notre bateau. Enfin, j'aimerais bien avoir quelques sous. Stella. Petite. Putain, l'un sur l'autre. Mon dieu, comme le paysage est beau ici! La mer, le soleil, la brise sur la peau! C'est parfait! Je suis heureux d'être à bord de ce bateau! Avec toi, ma nièce! J'aimerais que ta tante vive te voir en ce moment! Dirigeant ton propre bateau et dans ses esprits errants! Ça réchauffe vraiment le cœur! Je suis content que tu m'aies récupéré sur cette île! J'essaierai d'être le passager le moins embarrassant du bateau! Sauf pour la nourriture! Je n'arrêterai jamais de te demander de délicieux repas. L'un sur l'autre, sérieux. Alors, toi par contre, je vais te donner du poisson, j'en ai plein. Oh là là, ce que j'aime la nourriture, n'arrête pas de m'en amener. Je n'en aurai jamais assez. Et puis-je avoir... Sérieux. Je veux Gwen. Voilà. Tu as bien travaillé. Nous avons maintenant un vrai bateau. Tu devras désormais prendre soin de ces nouveaux passagers. Ce sera eux qui testeront ta patience, pas moi. Mais avant tout, j'ai quelque chose à te demander. Tu as sûrement remarqué que nous dormons dans la maison d'invité et que ce n'est pas idéal. Et surtout, depuis que c'est bondé. Écoute, je ne me plains pas. Tu as été extraordinaire et ça serait terriblement impoli de te blâmer pour quoi que ce soit. Mais je crois qu'il est temps pour moi d'avoir mon espace. Une belle petite maison, sans prétention, mais sophistiquée et douillette. Un espace où lire et me reposer, loin du tumulte du pont. Étrangement, j'imagine quelque chose qui me rappelle les Alpes. Tu vois, même moi, je peux être nostalgique parfois. Je ne t'embêterai pas trop à ce sujet, mais je serais ravie si tu construisais cette maison pour moi. Et du coup, elle nous a donné un plan. Et de la même manière, on a cette petite quête. Stella, je ne voulais pas te déranger avec ça, mais depuis quelques semaines, je fais d'étranges rêves. Je rêve un serpent géant, des récifs menaçants, il y a des fruits pourris. Et depuis que j'ai rejoint ton équipage, et toi, eh bien, ils sont de plus en plus clairs. Je crois que c'est l'air du large, ou peut-être les énergies mystiques de la lanternelle. En tout cas, je suis maintenant sûre que mes rêves sont plutôt des visions. Et je crois qu'elles viennent de notre connaissance commune. J'ai regardé la carte dans ta cabine. Mes yeux étaient toujours attirés au même endroit. Je te l'ai indiqué. Je crois que nous devrions aller là-bas. Il ne faut pas attendre. Eh bien, parfait. Eh bien, du coup, déjà, j'ai besoin d'eau ici. Là. Pendant que je le vois, je le fais. Et surtout, on est arrivé là où je voulais aller. Et pour l'instant, il n'y a personne. C'est bien ce que je crains. On va devoir faire le voyage tout seul. C'est pas très grave.
Alors, où est-ce qu'elle l'a indiqué sur la carte? Ok, par là. Donc, on va récupérer un peu de ressources ici. Ça me paraît la meilleure des choses. Et vous avez pas faim? Pourtant, tu fais ho ho. Ah oui, ho ho. On va voir ce qu'il faut pour le refuge de Gwen. Alors, le refuge de Gwen. Des bûches d'érable et du calcaire. Bah, on a exactement tout ce qu'il faut, donc. Le problème, c'est la place. Le problème, c'est la place. Donc, on va. On va gérer. Notre. Un peu de café, c'est cool. Voilà, ça donne pas mal de ressources. C'est plutôt cool. Superbe, des ordures des mers. Saute vite à l'eau. Il y a une épave. Je suis certain que tu trouveras des matériaux utiles. Bah c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, si on doit aller par là... Je sais pas si on peut aller voir par là. Je sais pas ce que c'est. On va aller direct. Pendant que je réorganise ce bateau, du coup. Ouais, je peux pas faire ce que je peux faire ça. Je peux faire ça, c'est parce que l'argent m'a dit. Bon, je pense que c'est ce que je vais faire, mettre la maison d'invité. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir construire la maison de Gwen. On va pouvoir la mettre par là, par exemple. Peut-être même par là, pour avoir un petit endroit pour sauter. Voilà. Et du coup, elle adore. Oh, c'est nul. Les échelles qui sont pas en face l'une de l'autre. Ça va me compliquer la vie. Bah, je suis persuadée d'avoir vu qu'il y avait besoin d'eau. J'adore. Cette cabine est géniale. Cela fait des miracles, je tremble à soi. Est-ce qu'elle te rappelle mon ancien condo sur la voie Waverly? Probablement le seul endroit où j'ai pu trouver la paix, le silence. Merci, mon ami. Et as-tu aussi une requête? J'ai jeté un coup d'œil à ta table à dessin. C'est bien, mais c'est tout ce qui la rendra encore plus chouette. Plus de plans, de plus gros bâtiments, de meilleurs crayons. Je dis ça, je dis rien. Je suis certain qu'Albert au chantier naval pourrait t'aider. On va récolter ici. Paf. Le reste, c'est pas prêt. On va planter un peu de café pour changer. Et on n'oublie pas d'arroser. Même s'il pleut. Il semble y avoir plusieurs nouveaux visages à bord. Je l'apprécie, comprends-moi bien. Mais je ne veux pas que tu oublies ton vieux nom, Atul. Tu connais? Je suis monsieur populaire. Je m'entends avec tout le monde, tout le temps, n'importe où. Mais je ne pensais pas devoir me faire de nouveaux amis à mon âge. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tout va bien aller. Je suis désolée d'avoir soulevé le sujet. Je vais aller m'asseoir au bout du bateau et admirer cette splendeur, d'accord? En espérant ne pas attraper trop de mouches par la bouche. D'ailleurs, ils sont pas trop fins. Ils ont faim un petit peu, mais ça va. Donc, on est à la paix de Green Alton, et je pense qu'on va s'arrêter là. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Non, j'irai dans le prochain épisode, tout simplement. On va se laisser là avec notre nouvelle, eh bien, du coup, cabine spéciale pour Gwen. Ouais. On devrait aussi pouvoir sauter un peu mieux lors des events. On verra ça, et bien tout simplement, lors du prochain épisode.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!